Hey, what's up les gens, ici Caral et bienvenue sur cet épisode de Lucius. Une fois de plus, nous allons visiter un nouvel étage de cet hôpital. C'est palpitant. Pas du tout. Non, c'est sûr, mais en revanche, ce qui est excitant, c'est que nous avons appris dans le dernier épisode que notre père... Non, pas celui-là. Notre père, Charles Wagner, était présent dans cet hôpital en piteux état. Oui, Charles Wagner. Celui-là même qui n'hésite pas à tabasser les enfants à coups d'extincteur. On a une revanche à prendre, c'est parti. Nous sommes dans une salle d'attente, les amis. Et ces deux hommes patientent pour une consultation. J'espère que ça ne va pas trop prendre de temps. Des magazines pour patienter. Oh, et des sandwichs. Utilisez de l'argent pour y acheter des articles. Mais moi, je n'ai pas d'argent. Fichtre. Willis Trocker, patient, attend le rendez-vous avec son docteur. Le docteur? Mais c'est moi, le docteur. Je vais m'occuper de vous. Le dossier. Voyons voir. Maux de tête, traumatisme crânien mineur, l'aspirine est prescrite. Peut-être que vous trouverez une ordonnance pour quelque chose de plus... fatal. C'est pour Monsieur Wright. Mais Monsieur Wright. C'est lui, Monsieur Wright. Il a l'air d'avoir des maux de tête. Il attend un diagnostic. Je sais ce que vous avez, monsieur. J'ai un diagnostic. C'est l'heure de l'examen. Elle va t'aider. Je peux modifier son ordonnance pour qu'il n'ait pas du tout le bon remède. Mais comment? Bonjour, je suis le docteur Caral et j'ai la réponse. Vous voyez ce dossier? C'est le dossier d'un patient qui est venu pour un rhume et qui est fortement allergique aux antibiotiques. Vous voyez cette prescription? Il s'agit d'une prescription d'antibiotiques. Et je glisse la prescription dans le dossier et le tour est joué. C'était les conseils du docteur Caral. Faites-en bon usage. Je suis allergique à l'insuline. Docteur, aidez-moi. Jacqueline, on a un décès. Encore? Bien, je vais faire du café. Prescription d'insuline. Létale pour les personnes non diabétiques. Peut-être pourrais-je planifier quelque chose de sournois. Oh. Oula, oh, je suis bourrée. À présent, on va lui filer un remède qui ne correspond absolument pas et qui risque de le tuer. Elle va lui annoncer la nouvelle. Monsieur Wright? Oui, c'est moi. Suivez-moi, s'il vous plaît, et attendez-moi dans la salle 305. Oh, enfin. Et viens avec le docteur, monsieur Wright. Viens avec moi. Derrière la chambre 305, c'est où? Viens, et approche-toi. Approche-toi. Il est passé où, ce couillon? Ah, il est là. Excellent. Veuillez vous coucher. Vous pourriez avoir besoin d'une petite pause après le tir. Après le tir de... Hein? Ok. Quoi? Pas de dîner? Ok. Alors ceci pourrait les semer. Les semer? La semence? Ok. Je crois qu'on parle pas le... Oh, chère Marie, mère de Jésus. Oh, putain, Sarah! S'élance pour sans doute battre un record du monde. Mais attendez, regardez ce que je vois. Ok. Oh mon dieu, j'ai fait une erreur médicale. Je préfère me suicider. Cet épisode commence hyper bien, les amis. Je me sens chaude là. Ouh, on se chauffe. Et cette clé me permet d'ouvrir la porte de Peter Gilmore, un autre homme de Ludlow. Je rappelle, Ludlow, c'est une ville qui est proche de mon lieu de naissance, donc une ville où il se passerait des choses un petit peu maléfiques. Peter Gilmore est incapable. Il est incapable. Il n'est pas dans son assiette du tout. Ah, il y a quelque chose sous son oreiller. Un diable à tête branlante. C'est moi ou la plupart des mots utilisés depuis le début sont sujets à controverse? C'est dans ma tête, c'est seulement dans ma tête. Bonjour, docteur. Alors non. La machine à écrire est dans le mauvais sens. C'est la déchéance, tout le monde est dingue dans cet hôpital. Je suis le seul être sensé. C'est la déchéance. Pardonnez-moi pour cette petite interlude musicale, on reprend nos activités meurtrières. Ça pue... Oh, cassable. Non, ça pue. Du Coca-Cola. Ouais, ça je garde. Oh, attendez, mais laisse-moi tranquille, toi. Oh. C'est Timo InShape. Waouh. Il faut absolument que j'aille le voir pour lui demander un autographe et un selfie. Il faut que j'obtienne la clé 7300... Il est en plein effort physique, il faut pas le déranger. Monsieur, il faut que je récupère des infos et des clés. C'est dans la quête. Mais il y a toujours ce gars là, Hudson Cook. Il semble qu'il porte des clés. Il a une cafetière, donc on peut la lui empoisonner. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il me reste un peu de poison? En effet.
C'est bon, tu peux aller boire ton café, s'il te plaît. Oui, c'est bon, il y va, il y va. Merde, il m'a vu. T'es facilement distrait, Jean-Pierre. Bah en attendant, on va aller voir s'il y a autre chose ailleurs. Ah, laissez-moi fouiller dans vos dossiers. J'ai trouvé des informations à propos de mon père. Il est situé au 2e étage. Ah, je suis impatiente de m'y rendre fortement, hein. Bon, écoute, au grand mot, les grands moyens, comme disent les docteurs. Lui, on va devoir le tuer à la manière plutôt traditionnelle, hein, la manière qu'on n'aime pas tellement, la manière nulle. Voilà, exactement, celle-ci, celle-là. Gore maître. Niveau de gore. Nul. Hé, hey, il a raison. C'était pourri. Quoi? J'ai gagné un niveau. Quelqu'un est mort? On gagne un niveau uniquement lorsqu'on arrive à tuer les gens, alors j'ai comme un doute. Mon piège a fonctionné. Avec une demi-heure de retard, mais... Tu l'as mérité. Je vais pouvoir aller voir Thibaut in shape. En shape et en os. Waouh. Pousse encore ces cris virils, s'il te plaît. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Mais que vois-je? Qu'est-ce que... Quoi? Vas-y, Thibaut, comment tu descends dans mon estime? Je verrai plus jamais pareil. Monsieur est sous stéroïdes. Je suis trop dégoûté. Porte de la machine à laver. Étendoir. Qu'est-ce que je peux bien faire avec ça? Je peux peut-être mettre un objet dedans, de type corrosif. Ah non, je peux le casser. Elle est cassée. Oups. Oh, mince alors. Oh, attendez, je suis coincée dedans, là. Aidez-moi. Non, je suis coincée. C'est pas vrai, c'est une blague. Bâton en bois, ça peut être mortel. Là, c'est mortel pour moi. Le bug est mortel en lui-même. Mais ferme ta gueule, toi. C'est pas toi que je visais. J'essaie de me sortir des situations nulles. Voilà, comme ça. Là, c'est bon. Là, on peut sortir. Là, Lucius, vas-y, fonce. Je rêve. Le jeu a planté. Ah, coucou, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais non, c'est pas vrai, on est coincés tous les deux maintenant. Tu es venu voir ta grand-mère? Mais fuck avec ta grand-mère, mais va chier. Oh, you better be careful with that. Mais be careful to that. Yes, yes, yes. Vas-y, tu m'as gonflé, je vais te buter. Ah, c'était nul. Mais ça suffit pour la mettre en PLS. Bâton en bois, ça peut être mortel. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ici pour tuer des gens convenablement? Allô? Je crois qu'il y a une personne en souffrance dedans. Docteur? Docteur? Mais oh putain, la porte de merde! Ah! Monsieur Nick, venez voir. Il y a une personne qui surventile à l'intérieur et je crois que c'est très dangereux. Attendez, dites-moi, est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave, oui! Non, mais s'il te plaît, mais commence pas à paniquer. Ah, mais attends. C'est toi qui as les clés pour les chiottes. C'est toi dont je vais avoir besoin. Bah, je dois te tuer. Mais comment tu veux le tuer s'il court dans tous les sens comme ça? Attends voir. Mais moi, j'en ai marre. Il aime les sandwichs. Ça, c'est une excellente information à prendre en compte. Alors, on va lui préparer un sandwich du tonnerre. Est-ce que c'est... Non. Sandwich empoisonné. Bon appétit, va chercher. Voilà. C'est tout ce qu'on te demande, d'être un bon gros couillon. Et maintenant, meurs. Il est temps à présent pour nous de voir ce qui se cache dans les toilettes. Monsieur, tu vas bien? Il est toujours là, je l'entends respirer. Il a peut-être besoin d'un inhalateur. Monsieur, je suis... J'en ai marre. Je n'ai rien vu. J'ai perdu la vue. Qu'est-ce que je viens de voir? Bonjour, c'est la censure. Bah tiens, manquait plus que toi. Conformément aux règles en vigueur, cette vidéo doit être censurée à cause de présence de sexe. Objection, votre honneur. Ces hommes ne forniquaient pas dans les toilettes. Ils exploraient les fonds marins tout nus. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On voit rien alors. Donc je m'en vais? Mais ouais, mais en plus ça va être flouté, alors casse-toi! Non mais franchement, messieurs! Hein, Jaden, Backside! Qu'est-ce que t'en penses, Dominique? Il est en train de faire quelque chose qui est pas pour les enfants! Dominique nique joyeusement son compagnon, comme c'est trop mignon! Du coup, je suis complètement perturbée, je sais plus du tout ce que je devais faire. Ah si, c'est bon, le laboratoire, ici. Nous devons fouiller dans les dossiers pour en apprendre davantage. Je sais même pas ce que je cherche depuis le début. Ah bah c'est fini, voilà, ma mission est terminée à cet étage et je n'ai toujours pas retrouvé mon père. C'est dommage. En tout cas, c'est la fin du chapitre. Si vous l'avez aimé, surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Il était très sexuel. Et en attendant la prochaine vidéo, à toutes et à tous, je vous fais de gros bisous.